Donc je m'appelle Valérie, je travaille pour le conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Donc là on est au bord du lac de Puy-d'Arieux. Le lac de Puy-d'Arieux est un lac artificiel, c'est un lac qui a été créé en 1987 par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Donc il sert, l'eau du lac sert à l'irrigation, au soutien d'étiage des rivières du Gers et à l'alimentation aussi en eau potable. Comme partout, on a détruit un écosystème, mais il y a un autre écosystème qui se remet, qui se remet après, qui se réinstalle en fait avec des nouvelles espèces. Donc là, on a surtout des espèces, des oiseaux d'eau qui viennent en hivernage ici sur le site, donc des oiseaux qui viennent du nord de l'Europe. Et on a quelques espèces sédentaires et on a quelques espèces qui viennent d'Afrique pour venir nicher aussi sur le site. Donc là, c'est la période où on a le plus d'oiseaux, avec notamment des grues cendrées, des oies, des vanneaux, des courlis, plusieurs espèces de canards. Donc là, c'est très intéressant.